1 Corinthiens chapitre 2. Alors je vais poser la question qui est un homme animal ici Est-ce qu'il y a des hommes Est-ce qu'il y a quelqu'un se considère comme un homme animal qui n'est pas un homme animal. Qui se dit, moi, je ne suis pas un homme animal. Et ceux qui n'ont pas levé Mon frère alors. il y en a qui sont très, 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 très intelligents. Et moi je ne le bouge pas. Comme ça, si c'est pas ça, ben au moins. <laughs> C'est un piège. Waouh. Donc, vous, vous êtes Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'est pas un homme animal. Vous allez voir avec l'enseignement que nous sommes tous des hommes animaux. En fait, quand le Seigneur m'a enseigné là-dessus, là, là j'ai dit, oh là 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 là. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. En fait, on a eu des enseignements dans le passé les trois types d'hommes. Vous vous rappelez, non? L'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Alors ah non, 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 charnel on n'est pas. Ah non, je suis pas charnel. Ah, non, non, animal encore moins. Spirituel, oui. <laughs> mais bizarrement, ces hommes spirituels se rendent compte qu'ils ont des problèmes au niveau de la chair. Ils ont des envies bizarres. Ils ont envie de manger. Ils ont parfois, alors qu'ils sont mariés, mais ils ont toujours des attaques hein, par rapport au sexe. Vrai ou faux? Non, bah, arrêtez de mentir, il faut arrêter de mentir. Vous n'avez pas d'attaque Non, quand même. Tout le monde, non Vous n'avez pas, même si vous êtes, Aucune pensée impure ne vous... Bah, quand même. Qui a déjà vécu une pensée impure comme ça Qui déjà... Même les mariés bah, Tout le monde, moi le premier. Mais bah, alors C'est parce que nous sommes des hommes animaux. <laughs> si on n'est pas bien enseigné là, le jour où on va commencer à vivre ces choses-là. Hein, après la conversion, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne suis pas converti, mais c'est quoi là? Euh, certainement, je suis encore possédé. Au oh, nom de Jésus-Christ, Nazareth, je vais chasser cet esprit, tout ça là. Tu ne vas rien chasser. Tu ne vas pas te chasser toi-même. <laughs> oh, Seigneur! C'est beau quand Dieu nous enseigne. En fait, je lisais ce passage tout à l'heure. Un passage par rapport à l'homme animal, et puis euh, le Seigneur me parlait dans ma pensée, me disait Mais vous êtes tous des hommes euh, des animaux. Je disais Mais Seigneur, mais dans mon cœur, je Mais comment ça là mais Ça c'est pas. Euh, tu luttais quoi Non, non, mais c'est ici, c'est ici. Il m'a donné des, des raisons, plusieurs versets, et puis vous allez voir ça. Voilà. Donc, ça fait partie de notre identité, connaître son identité. Hein. Parce que si vous ne connaissez pas votre, votre identité, vous allez facilement vous faire avoir. Par exemple, ceux qui pensent qu'ils ne sont pas, comme nous tous savons, des hommes, celui qui croit qu'il n'est pas un homme animal, le jour où il va commencer, étant chrétien bien sûr, hein, qui pense qu'il pense qu est que spirituel, homme spirituel, mais le jour où il va commencer à voir de, la réaction de la chair, le jour où la chair va commencer à se manifester plus qu'avant, il risque de se dire bah, tiens, j'ai peut-être besoin d'une délivrance. là. C'est ce qui arrive chez beaucoup. Hein. Ah, peut-être que je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi, tout ça, mais le problème, c'est que le pasteur lui-même aussi a ah, ses combats. <laughs> Et très souvent, ils ne le disent pas comme ils sont, ils sont tellement hypocrites. Hein? Donc, euh, ils sont très, tellement sérieux, tellement saints. Et, euh, alors, il y en a qui pensent que nous autres, là, nous tombons du ciel. Alors, ils se disent Moi, j'aimerais bien être comme le frère Chora, mais attention, plus Dieu se sert de toi, plus ta bestialité se manifeste. Ah oui alors, Vous allez me dire Mais qu'est-ce que nous raconte, là Plus Dieu se sert de toi, plus tu réalises à quel point tu es faible. Et Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis. Alors pour ne pas que ce nom animal soit. Hein, empêche Paul de, faire, de servir le Seigneur, Dieu a mandaté un démon. Pour le frapper tous les jours. Vous vous rappelez, non? 2 Corinthiens 12. Lisez ça à la maison, vous allez voir. Voilà. Alors, il y a trois types d'hommes, l'homme spirituel, l'homme animal et l'homme charnel. 1 Corinthiens 2, nous lisons à partir du verset. 11. Car lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui L'esprit de l'homme qui est en, en lui. Euh, de même, aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses qui nous sont données, qui nous ont été données de Dieu. Et nous en parlons non pas et nous en parlons non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal, l'homme animal, l'homme naturel, hein, ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut même pas les entendre parce que c'est spirituellement connant. Juge. Alors l'homme animal et l'homme, c'est l'homme physique. C'est ça l'homme animal. Ce n'est pas parce que tu es converti que tu n'es plus physique. La preuve, ton physique a besoin de manger, vrai ou faux. C'est ça. C'est pour cela que... Vous savez, c'est... Wow oh, Seigneur, mais ce n'est pas possible. C est, c est mais... C'est grave. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. C'est clair. Paul dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On est d'accord, hein? Est-ce que nous comprenons, comprenons les choses du Seigneur avec, avec notre corps physique Ah, c'est ça l'homme animal. C'est l'homme physique. D'abord, l'homme animal, c'est aussi l'âme, ton âme. C'est ça l'homme animal. Donc, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec, euh, avec notre corps physique. C'est impossible. Voilà. Car le Seigneur disait mes paroles sont esprit et vie. Voilà. C'est bon On va aller encore plus loin, ne vous inquiétez pas le Seigneur va nous aider. Et c'est justement ce côté humain-là de l'homme, ce côté animal de l'homme, que Satan exploite. pour qu'il y ait autant de problèmes dans les églises. Où les chrétiens se, se comportent comme des animaux après. Et dans le monde, on n'en parle même pas. Encore, les animaux tuent pour manger, mais l'homme tue par plaisir. Hein, pour le plaisir. Voilà. Ils tuent son semblable et ils trouvent ça normal. Voilà. Voilà la, la, la bestialité de l'homme. Ils sont à costard et cravate, mais ils, sont, ils ne sont pas plus intelligents que les animaux. Et on va voir que c'est grave. Alors, Paul dit qu'il y a l'homme animal, animal et l'homme spirituel qui comprend les choses de Dieu et n'a pas besoin qu'on lui enseigne. L'homme spirituel, c'est qui C'est d'abord, la dernière fois, on a parlé de, de, des esprits. Hein l'homme spirituel, bah, c'est ton esprit, c'est mon esprit. Nous sommes des esprits habitant un corps physique ayant une, une âme. Amen. C'est-à-dire le côté animal de l'homme. Voilà. Seigneur, enseigne-nous ta, ta parole là, au nom de Yeshua. Nous sommes dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Quelqu'un va nous lire avec le micro, si possible, le chapitre 3. Il va, nous, il va commencer à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Donc, l'homme animal ici. Bien sûr, euh, veut dire celui qui respire. Hein Tout ça, le, 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 ce que le grec veut dire ici-là par rapport à l'homme animal, c'est celui qui respire. Hein, le principe de la vie animale, c'est que les humains ont en commun avec les animaux. D'accord Voilà. C'est bon Quelqu'un peut nous lire ça Donc ça donne ça. Voilà, tu veux dire euh, euh, la vie, tout simplement. La vie. D'accord? Oui, et la racine, c'est ça, c'est-à-dire âme. Alors si vous dites que vous n'êtes pas un homme animal, c'est que vous n'avez pas d'âme. C'est ça en gros qu'il faut comprendre. Voyez Donc, psychitos, le grec, là, donne en français la vie, ou celui qui respire, ou encore ce que nous avons en commun avec les animaux. D'accord Et donc ça, psychitos, là, ça donne animal, en français. Voilà. La racine de psychitos, c'est psché. psyché qui veut dire âme. Voilà. Donc c'est pour cela que je vous dis que nous sommes tous des hommes animaux. On ne peut pas comprendre les choses de Dieu avec notre âme. C'est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous comprenons les choses de Dieu avec l'esprit de l'homme. Que Dieu réveille par son esprit. Dieu qui est esprit, vient parler à notre esprit. C'est ça la conversion. C'est la conversion, c'est la résurrection de notre esprit humain, qui comprend, qui commence à discerner les choses spirituelles. Voyez, mais le problème de l'homme, c'est quoi C'est que l'homme met beaucoup plus l'accent sur l'âme, l'âme. Donc le, hein, le, le, la racine, hein, c'est la racine euh, de psychitos. Donc c'est psyché, l'âme. Et l'homme met l'accent sur l'âme, l'âme. C'est d'abord le sang, l'âme c'est aussi la vie, c'est le siège des sentiments, des émotions. Voyez, non Voilà, c'est ça l'âme. Donc, quand on va à l'école, on y va pourquoi ben, Pour que l'âme soit travaillée. Voyez L'âme soit travaillée, l'âme soit nourrie. Et l'âme est nourrie, c'est l'ego, hein Là, voilà, donc l'âme est nourrie avec toute cette connaissance-là, hein, qui peut aussi nous aveugler, l'âme. Et on ne perçoit pas les choses déjà avec l'âme, c'est impossible. L'âme, c'est. Vous comprenez là, c'est bon là. Jusqu'à présent, où je dois me répéter là. Non, il me... faut que je recommence. Ok. Alors, l'homme animal. Le mot animal vient du grec psychitos, d'accord Psychitos, qui veut dire aussi la vie, d'accord la vie, tout simplement. La vie matérielle, physique, pas spirituelle. Psychutos veut dire aussi ce que nous avons en commun avec les animaux. C'est-à-dire, on partage avec les animaux la vie terrestre. Nous sommes d'accord. D'accord Psychutos. Hein Et euh, je me répète, c'est la vie terrestre, la vie matérielle. Et euh, l'homme animal. Donc. Le psychitos, là, est sujet aux passions et aux appétits. D'accord C'est ça, l'homme animal. Il est, n'est-ce pas, euh, ben, il est sujet, il est euh, soumis aux appétits, aux pulsions, aux, 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 aux sentiments. Voilà, les appétits, euh, tant physiques que, euh, je veux dire, euh, euh, je ne sais pas, euh, moraux. Et. Euh, et euh, l'homme animal a besoin de manger physiquement. L'homme animal a besoin aussi, euh, de, de, voilà, sur le plan sexuel, il va être attiré. On est d'accord Donc, euh, ben voilà, il y, y, y a toutes ces pulsions-là. Donc, euh, notre chair est, est soumise à, à, à ces choses. Ce n'est pas parce que tu es converti, converti que tu n'auras plus, euh, euh, plus des besoins, que tu n'as plus de besoins. Vous voyez alimentaire que euh, je veux dire euh, affectif euh, euh, sexuel tout ça là donc euh, c'est ça c'est pour ça que vous avez des gens une fois convertis ils sont remplis de l'esprit et puis quelques temps après ils vont commencer à se rendre compte que euh, ben, leur, leur, leur corps a des besoins vous comprenez mais ils se disent c'est bizarre ça quand même qu'est ce qui m'arrive je me sens attiré par cette personne là mais qu'est ce qui se passe ah ben ça va aboutir au mariage pour ceux qui craignent le seigneur voilà et malgré le mariage, tu vas te rendre compte que ton corps a, a, veut encore plus de femmes. Et Salomon en a eu mille. Vous voyez Donc, ces appétits-là, si tu ne, tu, 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 tu ne les gères pas, eh ben, ça, ça, ça te détruit. Et ça détruit ta vie, ton entourage, tout ça. C'est ça, l'homme animal. Et il y a des gens qui disent non, non, nous ne sommes pas des hommes animaux, hein, nous sommes des hommes spirituels. <laughs> Regardez-moi ça. Comment on a été mal enseignés, nous tous. Waouh, Seigneur Heureusement que le Seigneur nous enseigne. Hein. Heureusement, mes amis. Là. Donc, tu vas sortir d'ici en réalisant que tu es un homme animal. <laughs> Alléluia! Amen. Oh, ben, allons vérifier encore, la 1 Corinthiens 15. Voilà, donc, euh, psychitos, c'est vraiment le principe de la vie animale. Hein. Donc, la bestialité, quoi. Oui, nous sommes des bêtes. Voilà. Et on va lire euh, Ecclésias 3 tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas oublier. Le Seigneur est là pour me rappeler ce verset-là. 1 Corinthiens 15, 44, 46. Quelqu'un pourra nous le lire, s'il vous plaît 1 Corinthiens 15, 44, 46. Ben, Alain, tu, tu peux nous faire la lecture Ah, ok, il y a quelqu'un déjà. Oui, frère okay. il, est, il est semé corps animal, il ressuscitera corps. Il, il est semé corps Animal. Dis à ton voisin, tu seras enterré en tant qu'animal. Oui, en tant <laughs> qu'animal. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia Oh Seigneur, enseigne-nous. C'est pour cela qu'il nous faut être enseignés à l'école, l'école du Saint-Esprit. Bon, on va aller plus loin, plus loin encore. On va lire à partir du verset 40, je crois, pour avoir une compréhension. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mm -hmm. Mais autre est autre, l'éclat des corps célestes et, ce, et autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère d'une autre étoile en éclat. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé dans le déshonneur et il est semé dans le déshonneur, il ressuscite dans la gloire, il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé corps animal, il ressuscitera corps spirituel. Wow. Il est semé corps animal. animal. Waouh, on continue? S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a un corps animal. Pourquoi on veut nier que nous avons des corps hein des animaux là? Pourquoi? Mais bien là, quand il y a des combats, on dit que ce, ce sont des démons, il faut qu'on soit, qu soit délivré de ça. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont d'église en église pour être délivrés de démons, alors que ce ne sont pas forcément des démons, c'est leur corps. <laughs> J'arrive, notez vos questions pour pas que j'oublie ce que ça me donne. Vous voyez à quel point, mes amis, l'enseignement spirituel est capital. Maintenant, un nouveau converti, s'il n'apprend pas qu'il est aussi un, un animal. Eh quand tu l'auras des attaques, tu vas dire, mais ce n'est pas possible, moi il faut qu'on me délivre de ça. Mais on ne peut pas te délivrer de toi-même. C'est soit à la mort en Christ, soit lors de l'enlèvement de l'Église. Mais il faut que tu sois bien informé pour que tu saches gérer ton corps animal. Ok, on continue. Comme aussi, il est écrit, le premier, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier âme. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal et puis vient ce qui est spirituel. Ce qui est animal est le premier. C'est le premier corps que tu as, que tu as eu, que j'ai eu. Le corps animal. Ce corps animal se comporte comme un animal. La sauvagerie. La bestialité. C'est pour cela qu'on a des caractères acariâtres, des caractères compliqués dans nos assemblées, dans le monde c'est clair. Mais là on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais Paul dit, faites attention de peur que vous ne vous détruisiez les uns les autres. Parce que ce sont des animaux. Dieu, quand il voit les hommes, il les voit comme des animaux. C'est ça le corps animal. Ce sont des animaux. Et des animaux qui, sont en bac, qui ont bac plus 40, bac plus 30, pour certains. Il y en a qui sont rois, ce sont des animaux. Hein Vous allez voir tout à l'heure que le Seigneur a appelé renard. Allez dire à ce renard. Quand Dieu voit les hommes, il ne voit pas les hommes comme nous il voit des animaux à quatre pattes. On va être plus humble avec cet enseignement-là. Ouh, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Alléluia! Tu es éclairé un tout petit peu, c'est nous que le début. <laughs> c'est pour ça on voit dans les églises, on dit Mais ce pas possible, la sœur, elle me cause des problèmes, c'est normal, c'est un animal. <laughs> ben oui. On dit Le frère, là, il n'aime pas les, les, les loupas. c'est un animal. Celui-là, il n'aime pas, c'est la jungle. Vous n'avez pas vu ça La jungle. Bah ben, c'est ça le monde. <laughs> Vous avez les léopards. Vous avez des, 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 des oiseaux, vous avez des corbeaux, vous avez des. Il y a de tout. Comme l'arche de Noé. C'est ça le monde. Le monde est comme l'arche de Noé, on va quelque part. On dit que le corps animal est le premier corps. Et le corps spirituel est arrivé après. On dit que quand on va être enterré. Celui qui va être enterré le corps là, c'est le corps animal. C'est pour ça que Dieu n'en veut pas. C'est pour ça que ce corps-là n'ira pas au ciel. Et c'est ce corps animal que les gens embellissent. C'est à ce corps animal que les, les, Satan a envoyé l'évangile de la prospérité hein, pour l'entretenir. C'est pour ça que ce corps là, Satan sait que c'est un corps animal et on va le laisser. Et les gens vont pleurer. Ils pleurent une fois qu'ils sortent de ce corps là, ils se rendent compte qu'ils sont des esprits. Mais ils ont passé tout leur temps, tout leur temps, à embellir le corps animal. Ah oui. Vous n'avez pas vu que la, la terre est comme une, comme une réserve où il y a toutes sortes d'animaux. Vous ne voyez pas le comportement des gens. Vous trouvez normal qu'un président, hein, alors qu'il a un pays riche, vous trouvez normal qu'il qu soit le seul à manger correctement et qu'il ne, qu ne tienne pas compte de sa population C'est un animal. Parce qu'un homme spirituel ne voit pas comme ça. Un homme spirituel va, va, va voir les choses comme Dieu le voit. C'est le partage. Mais l'homme animal, c'est l'ego. L'ego. Vous voyez L'égoïsme, l'égocentrisme, tout ça là. C'est l'homme animal. On a tout ça en nous. Maintenant, il y en a, une fois convertis, Dieu leur donne la force pour contrôler leur, n'est-ce pas, bestialité. C'est pour cela que les, vous pouvez parler à ces animaux-là. Ils ne vont pas comprendre la parole du Seigneur. Il faut que Dieu commence par réveiller leurs esprits. C'est pour ça que Paul dit que l'homme animal, là, ne comprend pas les choses. de un animal. Vous avez vu les animaux lever les yeux au ciel Non. Ils regardent la terre pour brouter. C'est ça l'homme animal. C'est brouter, gagner, gagner, gagner pour aller où avec Voilà les animaux, là. Il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, il travaille durement le matin, midi, soir, comme cet homme dans la parabole de Luc 12 là-bas. Il dit, mon âme, réjouis-toi parce que tu as tout ce qu'il faut. Dieu lui dit en sensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous voyez les, les animaux Ils détruisent leur santé pour avoir des, des bouts de papier. Vous voyez, vous voyez, avec de l'encre. <laughs> C'est grave. Ils vont laisser tout ça. Ils, sont, ils ont une vie éphémère. Ils ne se rendent même pas compte. Ils n'ont que 70 ans de vie. Et encore, il faut éviter les, les, les aléas de la vie. Mais ils croient qu'ils ont tout le temps. Ce sont des animaux. Ils ne réfléchissent pas. Des animaux. Ils ne pensent pas aux autres pour participer, pour donner un peu l'argent Ce sont des animaux, des comportements an, d'animaux. C'est un comportement animal. Un homme prend une arme, tue les enfants comme ta. ta, 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 ta c'est un animal. Un homme prend une bombe, s'explose, un animal. Quelqu'un qui dit qu'il est plus, plus intelligent que les autres parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, c'est un animal. Dieu voit le monde comme ça. Et l'enseignement ce soir va nous permettre de voir comme Dieu voit un tout petit peu l'humanité, des animaux. Ils sont fiers dans leur. Belle voiture, ils ne se rendent même pas compte que ça peut devenir demain un cercueil. Ils sont, ils sont fiers, ils roulent à 200 à l'heure, ils mettent la musique à fond, ils pensent qu'ils sont quelqu'un. C'est ça les animaux. Vous voyez C'est grave, la bestialité de l'homme. Ils sont tellement bêtes, tellement animaux, qui ne se rendent même pas compte qu'il y a un danger éternel qui les guette, le lac de feu. Mais non, ils sont animaux. Ils mettent toute leur énergie dans des choses éphémères qui vont laisser des animaux. Alors Paul dit, mais les tels hommes, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu, sont, ce sont des animaux. Complètement. Alors, nous allons prendre par exemple, on va voir comment Dieu nous voit. Déjà, vous avez vu que nous sommes des, des, des animaux. Hein? Donc, euh, voilà. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Verset 32. Alors on va voir rapidement comment Dieu voit les hommes. Vous allez voir qu'il les voit comme des animaux. Et nous, on ne les voit pas comme des animaux à cause de notre côté bestial aussi. À moins que l'on soit éclairé par le Seigneur. Quelqu'un va nous lire cela rapidement Luc 13, 32. Il leur répondit, allez, et dites à ce renard, voici je chasse les démons et j'accomplis les guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je finis. C'est pourquoi... Il me ok, f... je veux lire. Euh, voilà, c'est parfait. Merci frère. Donc voyez ici, regardez bien. Verset 31. En ce même jour, quelqu quelques pharisiens vinrent à lui et lui dirent, Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, et dites à qui Oh, je dirais plutôt à quoi À ce renard voilà comment jésus, comment dieu voit les hommes. hérode se voyait comme un, un grand roi. c'est un grand roi, craint, respecté de tous. il avait son trône, il avait son royaume, il avait ses sujets, il avait ses serviteurs, ses servantes, ses femmes, ses copines, tout ce que vous voulez, toute sa richesse. et comment le seigneur l'appelle un renard? pourquoi? à votre avis? parce que il tue les gens? Vous voyez, non Voilà. Déjà son père, Hérode le Grand, a tué tous les enfants de, deux, de, de 0 à 2 ans. Vous vous rappelez Voilà. Donc ici, le Seigneur met l'accent sur son caractère. C'est-à-dire, voyez, le caractère de cet homme était le même que le même que, que cet animal, qu'un renard. Il était artificieux. Vous voyez il était très malin. C'est ça, son caractère. Donc vous allez voir, en fonction des caractères des uns des autres, vous pouvez facilement discerner quel type d'animaux ils sont. Wow! On acclame la parole du Seigneur. Wow! <laughs> Seigneur Jésus, c'est chaud. Mm -hmm. <laughs> Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, si je dis qu'un président est un renard, on va dire maintenant, il fait de la politique, il manque du respect d'autorité Tout est mélangé dans la tête des religieux. Hmm? D'ailleurs, je serai de plus en plus dans les manifestations des, euh, des gens de ce monde qui manifestent tout ça pour aller prêcher la parole là-dedans. Vous voyez, on voit partout. Là. Voilà, je ne pas de la politique. Mais je ne peux pas me taire quand les animaux se manifestent comme ça. <laughs> Dieu m'a dit va et libère mon, mon peuple. Vrai ou faux? Amen. Ben là, je dois apporter la parole partout. Vous voulez que je m'enferme dans un bâtiment? Que pour vous, non? Hum. là C'est juste une parenthèse. Il y avait une manifestation il n'y a pas longtemps là. Hein, je suis allé sur place. Il y avait une femme là-bas qui disait Tel mon Seigneur, mon Seigneur était notre Dieu et notre Dieu maintenant. Et je lui dis non, non, non c'est Jésus Christ. Tu vois, il faut aller prêcher la parole à ces gens? Les religieux veulent que je sois, qu'on soit dans les bâtiments, qu'on soit dans les maisons, qu'on soit seulement avec les chrétiens. C'est complètement religieux. Et vous pensez que les autres-là, Dieu ne les aime pas Mais il faut aller là-bas. Allez dire à ce renard-là. Un renard sur son trône et qui se. Qui se prenait pour quelqu'un Vous allez ce renard. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, autre chose, autre chose. Vous allez voir que nous sommes vraiment des animaux. Pierre est en train de prier l'acte Acte 10, vous vous rappelez, non Une nappe tombe du ciel, vrai ou faux Il y avait quoi dedans Des animaux Il y avait des, des reptiles Donc il y en a Ce sont des cocos. D'autres, des lézards. ne sais pas moi qui le dit. Hein C'est écrit dans la Bible, vrai ou faux <laughs> Acceptons tel que nous sommes, frère, sur le plan physique. <laughs> je vous dis. <laughs> Vous allez vous, on va devenir plus humble. Voilà. Dans nos costumes là, dans nos robes, dans nos tuniques là. On va être plus simple. Quand tu vas rouler dans ta BM là, tu vas te dire en fait, hein, alors, euh, sur le plan physique, peut-être que je suis un chat. Hmm alors, un peu d'humilité, là, devant le Seigneur qui est esprit. Alléluia. Ah oui. <laughs> Seigneur Jésus-Christ. Sauve-nous. Pierre voit des animaux. Des quadrupèdes, tout ça, des, des, des reptiles, de tout. On lui dit lève-toi, tu et mange. Il dit, non, 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 les animaux, là, je dis, lève-toi, tu et mange. Et il a envoyé le Seigneur, l'a envoyé chez un animal. Vous vous rappelez, non Chez qui Corneille. Corneille. En plus, son nom signifie. C est, c est, son nom, c'est vraiment. C'est un oiseau. Hein hein ah ouais, Des petits corbeaux là. C'est ça Corneille. En plus, interdite à la consommation hein, chez les ébaux. Voilà. Et Pierre, on lui dit, lève-toi, tu es, mange. <laughs> voilà. Donc, Hérode était un, un renard sur le trône. On va prendre un autre passage. Nous, nous sommes dans Matthieu. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 7. Matthieu 3, 7. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour cette parole qui nous a franchis. Alors, Matthieu 3, 7. Mais... Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Donc, il y en a, ils ne sont pas renards, mais ils sont des, ce sont des vipères. Alors, euh, faire attention pour ne pas épouser un renard ou une vipère. Voilà. Alléluia. Bah, qui se rend compte qu'il n'était pas bien enseigné là-dessus N'est-ce pas que nous sommes aussi des brebis ben oui, vous avez des brebis, vous avez des animaux sauvages après. C'est tout ça là. Le Seigneur dit quoi Je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu de, de loups. Donc il y a des loups aussi. C'est pas moi qui l'a dit. Donc quand Dieu regarde l'humanité, il voit des brebis entourées de vipères, entourées de renards, entourées de loups, entourées de, de léopards, des scorpions. Des boucs. Ben, il a dit qu'il va séparer les boucs avec les brebis. Vrai ou faux? Ben voilà. On acclame la parole du Seigneur. <rires> <rires> Hallelujah! Donc, mes frères et sœurs, vous êtes, si vous êtes une brebis, n'épousez qu'une brebis. Ben oui. Vous êtes une brebis, vous vous laissez diriger par. Un léopard, votre pasteur. Comment voulez-vous qu'il ne vous croque pas avec ses crocs Hein C'est pour cela que vous avez laissé toutes les dîmes là-bas. <laughs> vous avez été plumé, dépouillé. C'est normal Qui vous a dit d'aller vers un loup Prenez garde, le maître a dit va ou faux Il nous a avertis. <laughs> Seigneur ouvre nos, notre entendement spirituel hmm? Vous êtes une brebis Vous allez chercher des problèmes Auprès des d'animaux sauvages Des solutions hmm? Un loup est chez lui comme ça Et vous vous arrivez comme ça Tout naïvement tout ça là. Pasteur oui J'ai des problèmes j'ai pas de souci Amène une enveloppe on va prier hmm? Et puis bon du coup ben, Tu es maintenant surveillé par le loup tu dois lui rendre compte à chaque fois. Si tu veux voyager, il faut qu'il le sache. Tu veux te marier, il faut qu'il le sache. Tu veux faire un commerce, il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il sache combien tu gagnes par mois, qui tu fréquentes, tout ça. Et il te dit si tu quittes l'église locale, eh bien, tu seras frappé par le Seigneur. N'abandonnez pas votre assemblée. Et, et c'est papa, l'église de papa et maman. Vous ne pouvez pas changer un corbeau en colombe. Nous sommes, nous, chrétiens, des colombes. Nous sommes des brebis. C'est ce que le maître dit. Vous voyez, non Nous sommes des aigles, des aiglons. Ah, voilà. Des lionceaux. Parce que devant le trône, vous avez un lion, vous avez, n'est-ce pas, un bœuf, vous avez un aigle, vous voyez, non? Et la face de l'homme, les quatre êtres vivants. Voilà. C'est ces animaux-là que nous sommes. Maintenant, les autres qui ne sont pas en Christ, eh bien, leur euh, bestialité, c'est des renards, leur caractère. Vipère, sa mort. Il y a le venin. Voilà, la Vous voyez c'est terrible. Oh Seigneur Jésus Christ. Quand le Seigneur m'a parlé de ça tout à l'heure, je disais, waouh Seigneur, oh là là, oh là là, là là, nous sommes des animaux Seigneur. Oh mais c'est terrible ça. <laughs> j'ai encore mieux compris pourquoi j'ai eu autant de problèmes. Hmm? Pourquoi autant de, de clashs. Parce qu'à un moment donné, si vous mettez un agneau avec un loup, il, même s'il si y a une attente dans un, ils vont finir par se... Euh, il y a une guerre après, là. Hein? Parce qu'il y en a un qui va vouloir manger l'autre, et euh, l'autre, il ne va pas accepter de se faire manger. Eh bien non, séparation. Il y a des séparations que vous devez accepter. Elles sont salutaires. salutaires. Elles sont salutaires. Si vous refusez, là, vous allez être croqué. Il y en a qui ont laissé leurs plume. Hein. Ils n'arrivent plus à, se, à voler à prendre parce que Toutes les plumes sont parties. Il y a des séparations qui sont salutaires. Voilà, avant tu t'envolais bien, tu priais correctement, tu, étais, tu prenais de la hauteur, tu étais seul, tu criais, Dieu, a, Dieu se manifestait. Tu avais des songes, des visions, tout ça là. Depuis que tu as fréquenté l'église, dans le loup, tu as tout perdu. Tu ne pries plus comme avant, tu ne gênes plus comme avant, tu ne médites plus comme avant, même ton entreprise a fait faillite. Ben bah oui! Tout le monde n'est pas frère. oh frère, oh, frère et Donc les églises, la physique, là, ce sont des rassemblements des, a, des, des rassemblements d'animaux. Hein? C'est pour ça qu'il y a tout le temps des problèmes. Tout le temps. Vous allez voir parfois pour trouver une solution, pour quelque chose de simple, il faut d'abord débattre, débattre. Les animaux. L'autre là-bas dit, ah l'autre là, c'est Z là-bas, c'est compliqué, tout ça, on ne trouve pas une, une solution. des animaux qui sont là. Et Dieu regarde maintenant. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans Jean, Matthieu chapitre 12, verset 30, 34. Matthieu 12, 34, le Seigneur dit. Regardez bien, oh Seigneur, race de vipères, race de vipères. Jean-Baptiste l'a dit, et le Seigneur le confirme encore. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez. Donc, en fonction de, du caractère des gens, de leur méchanceté, de leur comportement, nous pouvons, avec la parole du Seigneur. Définir maintenant de quel, quel type d'animaux ils sont. Voilà. Hérode, dès par sa ruse, par ses, son, son, son comportement, hein, il était très, très astucieux, il était très, très artificieux. Et ben le Seigneur dit c'est un renard. Voilà. Et les pharisiens, les chefs religieux, par leur comportement, tout ça, le Seigneur dit ben, eux, là, ce sont des vipères. C'est la, la race carrément de vipère. De Donc, ils ne peuvent pas dire de bonnes choses parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ont la connaissance de la parole, ils connaissent la parole, mais ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des serpents. Et on ne change pas le serpent. En fait, pendant que je méditais cette parole-là, tout à l'heure, je le Seigneur, à mon cœur, mais Seigneur, comment, comment ça a commencé tout ça là? Le Seigneur a dit, donne-moi le nom de l'animal qui a séduit le premier couple-là. J'ai dit, c'est un, un serpent. Il dit, ben voilà, il a transformé l'humanité en un enclos, en, 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 en un, 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 un jardin d'animaux. Le serpent a donné naissance à, ses, à, à des enfants. Voilà. Cela veut dire que vous avez des gens, ils fréquentent nos églises là, ils ne changeront jamais. Vous avez beau dire qu'il ne faut pas être dans l'idolâtrie, ils le seront toujours dedans parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des animaux, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Il a rien à faire. Ce sont des animaux autres que les animaux que le Seigneur a changés, comme certains, c'est-à-dire des brebis. Le Seigneur dit quoi Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un mercenaire. Les enfants de Dieu, qui sont bien sûr sur le plan physique, sur le plan de l'âme, des animaux, comme des brebis, comme des colombes, ne suivent que le Seigneur. Si quelqu'un leur rend un service, ils vont aussi participer. Ils ne profitent pas des gens. Quand ils font garder leurs enfants aux gens, ils vont donner quelque chose. Parce que l'Esprit de Dieu en eux leur parle. Vous voyez Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils peuvent être là, ils peuvent chanter, connaître la parole. Mais ils ne sont pas de Dieu, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruit C'est cela le monde. Elle est, le monde est comme ça. Nous sommes dans Jean, dans, dans pardon, Daniel. Euh, chapitre 2, vous connaissez le euh, chapitre 2 et euh, chapitre 7 également. Vous vous rappelez du chapitre 7 Daniel a vu quatre sortes de bêtes. Vous vous rappelez, non Voilà. Vous vous rappelez Et c'est terrible. Hein C'est-à-dire, les, 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 les... ceux qui dirigent les nations sont considérés comme des animaux par Dieu. Daniel a vu le premier animal, c'était lequel un lion. Vous voyez non Le deuxième animal, lion c'est Babylone, non le Deuxième animal c'est quel, quel royaume L'ours, non C'est quel, quel royaume La Grèce. Vous voyez non Donc il y a eu... Euh, euh, non, la Grèce c'est le léopard. L'ours c'est les Mèdes et les Perses. Vous voyez non Ce sont des bêtes. Donc quand Dieu regarde nos pays là, nos villes, Eh bien, Dieu voit. En fait, ce sont des animaux. Allons voir ça rapidement dans Daniel chapitre 7. Daniel 7. Alors, vous allez comprendre le comportement de certains euh, 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 présidents. Hein? Pour les raisonner, là, il euh, n'y a plus rien à faire. Donc, euh, parfois, le Seigneur est obligé de les, de, les, de les enlever carrément, de les tuer. Voilà. Parce que ce sont des animaux qui ne changeront jamais. La première année de Belshazzar. Roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions en sa tête était sur sa, étant sur sa couche. Et euh, le verset 2 Daniel donc parla et dit Je regardais dans ma vision nocturne, et voici, les quatre vents des cieux s'élevèrent avec impétuosité sur la grande mer, donc sur le monde. Hein. Puis quatre grandes bêtes montèrent de la bête différente les unes des autres. Et on nous dit que ces bêtes-là, bien sûr, ce sont les quatre royaumes. Vous voyez Et, euh, et c'est terrible. C'est terrible. Terrible. Et regardez et euh, ce que l'ange dit à Daniel. Dans, et euh, pardon. Donc il voit, la première bête c'est un animal, un lion. La deuxième bête était semblable à un ours. Et euh, la troisième bête c'était un léopard. Et la quatrième bête... Daniel n'a pas pu l'identifier. Mais simplement, il, il dit qu'elle était différente de toutes les bêtes et, euh, qui avaient été avant elle. Elle était extrêmement. Euh, extraordinairement. Oh, elle était terrible, pardon. Épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait dix cornes. Vous voyez Et c'est terrible. Et. Euh, le verset, euh, et, euh, 19, verset 15 de Daniel 2, 7. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un des assistants et lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans, cette, dans toutes ces choses. Et il me parla en me donnant l'interprétation de ces choses en disant Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois. C'est terrible, hein Quatre rois qui se leveront de la terre. Vous voyez donc Dieu voit même des rois, il les voit comme des bêtes. Voilà. Et on comprend mieux les choses. On comprend mieux pourquoi de tels comportements. Pourquoi Vous savez que la terre, Dieu l'a bénie. Nous avons toutes sortes de fruits. Nous avons toutes sortes de minéraux que Dieu a donnés aux hommes de ce monde. Nous avons de quoi pour nourrir. Dieu a donné aux hommes de quoi, tant sur le plan agricole, sur le plan naturel, les arbres, les fruits, l'eau, tout ça, que sur le plan minéré, de quoi subvenir à, aux besoins de la population mondiale. Si l'homme était plus hein, spirituel qu'animal, afin de pouvoir redistribuer, n'est-ce pas, la richesse, partager toutes ces richesses-là, équitablement. Maintenant, vous avez, par exemple, 80% de la richesse du monde gérée hein, par 5% de la population mondiale. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Pourquoi Parce que, eh bien, à la tête des nations, à la tête des églises, à la tête, des, malheureusement, des, des fédérations d'églises, eh vous avez des bêtes. qui vont tuer certaines, certaines populations, les éradiquer carrément, pour occuper leur terre, pour leur business, des bêtes, la sauvagerie. Et quand vous regardez le comportement d'animaux dans les reportages, vous allez voir que c'est le même comportement. C'est toujours un problème de terre, de territoire. Ils se battent pour... Chaque animal va vouloir marquer son territoire. Il y a même des lions. Ils vont tuer des lionceaux pour éviter une éventuelle rivalité. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors les gens ne comprennent pas pourquoi les pays sont dans cet état-là, pourquoi les nations sont dans cet état-là, pourquoi leurs pays sont dans cet état-là. Ben c'est parce que à la tête de ces pays, ce sont des animaux qui dirigent. Des lois uniques qui sont votées. Pour encourager la bestialité, pour valider la bestialité, voilà le monde. C'est pour cela que l'intelligence ne vient pas des études de fête. Non, l'intelligence, elle est de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié que tu vas être intelligent. Parce que sinon le monde ne serait pas dans cet état là. Ceux qui fabriquent les armes. Qui sont utilisés pour tuer des enfants, pour éventrer des femmes enceintes, écraser leurs fœtus, écraser leurs enfants. Ce sont souvent des gens très très intellectuels, des gens qui ont beaucoup étudié. Voilà le monde. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays que les gens du Nord fassent la guerre à ceux du Sud. Et inversement, ceux du Sud fassent la guerre à ceux du Nord. Le même, le même pays, même peuple. Ils se mangent. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là Des bêtes. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui dirige un pays ne soit entouré que déjà de son, de son ethnie? Et il leur confie des postes, sa responsabilité, alors qu'ils n'ont pas forcément des compétences. Et ceux qui ont des compétences eh bien, sont au pied de, euh, n'est-ce pas, de l'échelle, en bas de l'échelle. Voilà. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là, des bêtes Bestialité. Comment vous pouvez comprendre le racisme La bestialité. Comment vous pouvez comprendre que certains Martiniquais soient, n'est-ce pas, dans l'animosité avec certains Guadeloupéens La bestialité. Comment vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, l'animosité entre certains Martiniquais et Guadeloupéens vis-à-vis -vis de certains. Haïtiens et inversement, la bestialité. Comment il faut comprendre la, la nuosité entre les Congolais, certains Congolais de Braza et ceux de Kinshasa La bestialité. C'est des hommes, excusez-moi, des hommes, des hommes, des, 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 des bêtes, des animaux, des hommes et des femmes inintelligents, ne réfléchissant pas parce qu'ils ne sont pas éclairés par le Seigneur. Voilà, tout simplement. Pourtant, vous allez voir qu'à la tête de ces nations, vous avez des gens. Qui, étaient, qui ont fait l'ENA, hein, qui ont fait des grandes écoles, tout ça, ben ce sont des bêtes. Parce que je, je vois, nous, avec le peu de moyens que Dieu peut nous donner, ce n'est pas grand-chose, le peu de moyens financiers, matériels, on arrive à aider les frères et sœurs à mettre des orphelinats ici et là. Il, suffit, il ne suffit pas de, de beaucoup d'argent, un peu, avec l'intelligence de Dieu, on peut rendre service aux frères, rendre service aux gens, se venir aux besoins des gens, aider les frères et sœurs, tout ça. Mais comment est-ce qu'il n'arrive pas à le faire à ces hommes et ces femmes qui ont tant de richesses avec eux, tout ça Comment c'est possible Comment c'est possible qu'ils ne se rendent pas compte que devant leur palais, il y ait des, que les routes soient en si mauvais état Comment ils ne peuvent pas pouvoir comprendre cela ben, Ce sont des animaux. Voilà. Parce qu'un animal ne va pas travailler en fonction du, du, de la, du futur. De la, il, ce sont des animaux, tout simplement. Il n'y a rien à faire. Il faut d'abord qu'ils commencent par devenir spirituel. Il faut qu'au niveau de l'esprit il y ait une réforme, une, une guérison, pour qu'il dépasse les considérations linguistiques, culturelles, tout ça, la ethnique, tribale. Et voir, avoir une vision globale de la chose, une vision globale du corps, une vision à 380 degrés, pour que chaque peuple, chaque nation, chaque tribu, chaque, n'est-ce pas, euh, village, puisse bénéficier de ce que le pays peut produire. Ça s'appelle la justice équitable. Non. Ah. Ils vont amasser, 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 amasser. Hein, amasser, et, et investir, acheter des villas partout dans le monde entier, amasser, amasser. Il y a un, un, un général africain, je terrai son nom, qui me disait, sa femme me disait, nous avons plus de 500 villas. Il y a même des villas qu'on nous, que nous, qu a oubliées. Hein, euh, tellement que... J'ai toujours regardé cette dame, je disais, mais, mais ça c'est des gens-moi qui méritent des claques, si Dieu le permettait. Voilà. Elle est fière d'avoir plus de 500 villas et des villas qui ne... et des villas... Euh, qu'ils ont oublié. Toute cette richesse-là, gardée par un seul couple, et privant des milliers de personnes, on aurait pu le transformer en euh, un centre d'hébergement pour les enfants, les orphelins, on aurait pu le transformer en hôtel, hein, moyennant une petite euh, somme là, pour aider les gens. Non, aucune vision. Ce sont des animaux. Vous Voyez, un animal, il va amasser, amasser. Vous voyez, regardez. J'aime bien regarder les reportages sur les animaux. Vous allez voir, les lions vont se battre pour eux, de la nourriture alors qu'il y en a assez pour tout le monde. Non, non. C'est lui qui contrôle tout le monde. Là, il va chasser tout le monde et, et il va garder tout pour lui. Alors, voilà, voilà le comportement animal. Eh bien, on retrouve ça malheureusement dans nos églises. Voilà. Combien de chrétiens ne sont-ils pas déçus de leur pasteur On donne de l'argent, on donne de l'argent pour acheter une salle et, et, et cet argent qu'on a cotisé là, il ben, n'y a, a toujours pas de salle. Voilà. Comment vous pouvez comprendre qu'un pasteur vienne vous voir, se tienne devant vous en vous disant à l'anniversaire de ma femme, je lui ai offert un 4 4 Et vous, vous êtes là assis devant. Mais tout le monde est rempli est, Ce bâtiment est rempli de bêtes. Voilà, des bêtes sauvages. Vous avez des bêtes qui sont apprivoisées par le Seigneur, transformées, ce sont brebis, hein, des brebis, des, des agneaux hein, et, euh, et des, 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 des colombes, et vous avez des bêtes sauvages qui ne sont pas domptables, gérables. Voilà. terrible. Comment vous pouvez comprendre que qu'un président aille se soigner à l'extérieur de son pays alors qu'il a les moyens pour avoir un hôpital pour être soigné sur place, pour construire ce qu'il faut, quitte à faire venir des professeurs pour enseigner les gens sur place, pour former les gens sur place. Comment le temps de prendre l'avion médicalisé pour aller se soigner, se soigner hein, à, 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 en Occident, faire sept heures de vol, huit heures de vol, heures de... mais tu risques de crever là-dedans. Là. Vous voyez, ce sont des animaux. Voilà, moi j'aime parler, je ne peux pas me taire. J'aime parler, c'est quand ça me dit parle, bien sûr. Désolé, je suis allé un jour à l'hôpital militaire là pour rendre visite à quelqu'un. Et j'ai vu beaucoup de ministres africains là-dedans. Mais ils sont tous en constat, honnêtement. Je ne voulais même pas les calculer. Ça m'irritait. Je Avec l'enfant d'un grand général africain, ça m'irritait. Je dis, monsieur, ceux-là, je restais avec ceux-là, moi je, je partais. Des animaux. Il y qui ont fait AVC, tellement qu'ils ont couché avec des femmes d'autrui, hmm? tellement qu'ils ont touché à la sorcellerie. Des animaux. Vous voyez les animaux Regardez, je vais vous montrer à quel point ils sont ani à, à, vraiment animaux, mais sauvages. Ils ont étudié. Ils ont bac plus 15, bac plus 7. Ils ont fait des grandes écoles qu'on n'a même pas fait, euh, vous et moi. Mais on va le faire rentrer dans une chambre toute, toute noire. On va leur donner une épée et ils vont taper sur un crâne humain. Ting, 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 pour devenir franc-maçon. On va leur donner un bout de fil pour mettre autour de la taille pour être protégé. Vous vous rendez compte? Oh Seigneur! Alors, il y en a, leur bestialité se manifeste tellement qu'il faut les interner. C'est ça la bestialité de l'homme. Voilà. C'est chaud. Seul Dieu peut nous aider à dompter cette nature méchante, sauvage. C'est pour cela que Dieu nous brise. Le brisement de l'homme, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est la, la, la bête qui doit être brisée. Le vieil homme, avec sa nature euh, euh, pécheresse. Euh, Hein, c'est disposition euh, euh, au mal, prédisposée au mal. Voilà, le mal est inné euh, chez lui. Et à un moment donné, il y en a, s'ils ne font pas attention, c'est comme si le côté bestial se réveille. Prends le dessus. Et là, bah, il se considère comme des dieux. Comme Hérode, un jour, il se tient devant le peuple et dit Bon, euh, je, voilà, le peuple disait Voix d'un euh, dieu et non d'un homme. Et Dieu a foudroyé il a envoyé un ange. Vous vous rappelez dans Acte, là-bas, là, chapitre 13 Voilà, 12. Frappé. Waouh Vous avez vu comment, ici, on nous dit que ces quatre bêtes sont quatre rois. Dieu le voit comme des bêtes. Bêtes sauvages, hein? attention lion, rat, l'ours léopard. Imaginez un peu, vous êtes dirigé par un léopard. <laughs> oh le président feu boutou, vous avez vu? C'était un léopard. C'est-à-dire que les choses étaient claires. Bah oui. Il avait une euh, hein, tiare là. Léopard. En pot de léopard. Son trône était, il y avait un léopard. De, mais les choses étaient. Mais les gens ne le voyaient pas. Il faut le discernement. C'est-à-dire Le Congo était dirigé par un léopard. Et nous, vous comprenez pourquoi il est dans cet état, le, le pays Parce que l'actuel président, là, qui n'est plus président, lui aussi, il a pris le même totem. Le léopard. Et le léopard tue. Regardez le totem des nations, là. En France, un coq. C'est pour cela que le français parle. On acclame le Seigneur. Alléluia. En Russie, c'est un ours. C'est pour cela que Poutine, tu ne peux pas le toucher. Regardez bien, mes amis. <laughs> Les écussons des nations, là, vous allez voir. Dieu nous parle ce soir. Il nous révèle l'état des nations. L'Angleterre, c'est un lion. Mais pas le lion de Judas, c'est un autre lion. Bah ben oui C'est terrible. La Martinique, je crois que c'est des an... Quatre serpents, non La Martinique, c'est quatre serpents. Bah ben oui C'est pour cela que ceux qui veulent, vont à Martinique faire l'œuvre, la plupart des pasteurs, ce n'est tout. Ça tombe dans le sexe. Bah ben oui, les couples ne tiennent pas. Quatre serpents. On vous montre, les choses sont claires. Mais dans les églises, on vous prêche seulement l'argent. Au lieu de vous parler des choses spirituelles pour que vous, vous soyez réveillés. La ah oui. Oh Seigneur mon Dieu. C'est chaud. Quand ils vont mettre de telles écussons, de telles images, il y a des associations, des alliances avec Lucifer, avec l'ennemi. On vous montre l'identité, la nature, l'identité du pays, de tel pays, de tel pays, à qui vous avez affaire. Là, ici, là, si vous allez à Babylone, vous allez voir ce lion-là. Et on voit ce lion, hein, le lion ailé, babylonien. Vous voyez Voilà. L'esprit de conquête. La Grèce ne le parle la rapidité, la force. Et la Rome impériale, cet animal était extraordinairement fort. Qui broyait tout, qui foulait tout au pied. Ça, c'est la Rome et c'est l'esprit de Rome qui gère les nations avec la papauté. Ben oui. C'est terrible. Ce sont des animaux. Ce sont des animaux. Et que Dieu nous aide. Et si vous lisez Daniel chapitre 8, là on nous parle d'autres animaux. Voyez, on nous parle euh, euh, d'un bouc et d'un bélier qui se sont affrontés. Voyez, c'est terrible. On nous parle d'un bouc, d'un, de chèvres, de bélier, et euh, c'est terrible. Terrible. Et là, si vous lisez, regardez bien le verset 20, de Daniel 8. Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Voyez, bélier. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan de la Grèce. C'est terrible, hein? Donc voyez bien que Dieu voit à la fois les nations et les hommes qui les dirigent comme des animaux par rapport à leur caractère. Voilà. C'est grave. Et non seulement à la tête des nations, hein, à la tête des églises également. Vous vous rappelez, dans Apocalypse euh, euh, 13, vous vous rappelez, non on nous parle d'une bête qui sortait de la mer. Vous vous rappelez, la même bête. Ah bah ben oui, la terre entière était séduite par la bête et l'adorée en disant qui peut combattre contre la bête, l'Antéchrist, le gouvernement mondial. Ben, C'est un gouvernement bestial. Voilà. Et plus loin on nous dit qu'il y avait une deuxième bête avec deux cornes, comme celle de l'agneau, mais qui parlait comme un dragon. Et bien cette deuxième bête-là, dans c'est 13, à partir du verset 11, c'est la bête qui dirige toutes les églises des hommes. Ben bah, oui. Eh bien, ça veut dire que la plupart des pasteurs, des prophètes, d'apôtres, tout ça là, sont des bêtes. Comme le Seigneur disait des pharisiens, il les appelait, il disait race de vipères. Mais pourtant, pourtant, il dirigeait le peuple. C'est la même chose. Voilà, vous avez une bête, la première bête, l'antichrist, qui gouverne le monde, les nations, les pays, les villes. Vous avez une deuxième bête qui dirige l'ensemble des religions, d'églises. Alors, vous imaginez maintenant, vous fréquentez les assemblées à gauche, à droite, vous en sortez dépouillés, blessés, cassés. Vous avez des chrétiens divorcés, remariés, dans ces églises-là, ce sont des bêtes, des animaux, il n'y a rien à faire. Vous pouvez prêcher la vérité autant vous voulez, ça ne rentre pas. Ils ne sont pas de Dieu. Des dieux. Ils sont bêtes. Ils ont un comportement bestial. Comme je le disais. Quel comportement ben, Les choses simples de la vie, ils ne comprennent pas. Vous montez dans la voiture de quelqu'un pour la mission. Vous devez participer à l'essence. C'est ça, être chrétien. Voilà. Vous voyez Si on ne participe pas. Il bon, faut dire, ouais, à la base, avant de partir, je n'ai pas les moyens. Mais si tu le fais tout le temps, tu profites des frères et sœurs. Ce n'est pas de l'amour. Voilà. Pas un bon comportement. Voilà. Il faut être exemplaire. Je suis désolé. Quelqu'un te rend service, eh ben tu participes. C'est cela, être chrétien. Voilà. Pas profiter des autres. La bestialité. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 19. Quelqu'un, euh, je vais le lire rapidement là. Ecclésias 3 à partir du verset 19. Car le sort des fils d'Adam ou de, de l'homme ou de être, de, des êtres humains et le sort de la bête est un même sort. Ou encore l'accident qui arrive aux fils des hommes est le même que celui qui arrive hein, aux animaux. Le même. C'est terrible. Tel que la mort. Hein, Hein, telle qu'est la mort de l'un, telle aussi la mort de l'autre. Tous ont un et même souffle ou encore tous ont un esprit. Voilà, littéralement. C'est la version électronique. là. Tous ont un esprit. C'est terrible. En fait, je vais aller plus loin encore avant d'expliquer. Car tout est vanité, ou encore tout est une vapeur. Voilà. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Waouh. Il y a un autre passage. Au verset... Euh 18 toujours. Tous ont un esprit ou un souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Ah, ça, c'est fort, ça. Pendant des années, on nous a fait croire que l'homme était supérieur aux animaux. Mais ma Bible me dit que l'homme, l'homme, n'est pas. Comment? Il n'y a pas ce verset-là Non, enfin, je n'ai pas vu. Verset 19. Ah. Et la supériorité de l'homme sur, la, sur bête. la bête est nulle. Ah, oui, oui. Mais ça, c'est terrible, ça. On vous enseigne dans les écoles que l'homme est plus intelligent que la bête supérieur aux animaux. Mais ma Bible me dit que Dieu dit non, 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 mes enfants. Non. Ben non, à cause du péché, eh ben l'homme est comme, hein, l'homme est égal à l'animal, la même chose. Bah ben oui. Éclés 3,19, il faut le lire bien comme il faut ce passage-là, ça va nous amener à l'humilité. Donc le chien que tu chasses là, eh ben il n'est pas plus petit que toi. <laughs> Posez-moi la question, pourquoi? Premièrement, c'est écrit. Deuxièmement, tu peux être possédé par les démons autant que les chiens, autant que les pourceaux. Les voilà. L'esprit, on nous dit ici qu'ils ont aussi un esprit. Parce que si les animaux n'avaient pas un esprit, l'homme serait supérieur à eux. Ce qui nous donne la supériorité, la supériorité hein, c'est par rapport aux, aux arbres, c'est l'esprit. Vous comprenez? Ou l'esprit. Le, Roque. mais les animaux ont aussi un esprit. Premièrement. Deuxièmement, quand ils meurent, on les enterre. Toi aussi, quand tu meurs, on t'enterre. Vous voyez, non? Ils peuvent être écrasés, tu peux être aussi écrasé. Ils souffrent, quand on le frappe, tu souffres aussi. Alors, en quoi es-tu supérieur Ils construisent des maisons, tu construis aussi des maisons. Ils amassent, tu amasses aussi. Alors, pourquoi te glorifier La fourmi que tu vois au sol, là, <laughs> si tu es au-dessus de la fourmi, c'est grâce à Jésus-Christ. Sinon, non. Quand un chien va courir après une chienne parce que les deux sont en chaleur, c'est la même chose que tu fais. Et parfois le chien va courir seulement après une chienne, mais toi ça après mille femmes. Et tu prends une chaîne, tu la mets en laisse, alors que c'est toi qui devrais être en laisse pour contrôler tes appétits, tes pulsions. <laughs> oh Seigneur, ça nous amène à l'humilité. Excusez-moi, mais de même qu'un chien peut uriner sur un arbre, de la même manière que toi, tu peux faire aussi. <laughs> un chien vomit, tu vomis. Excusez-moi, mais il va déféquer. toi, la même chose que tu fais. Alors, t'es surpris en quoi À cause du péché, l'homme est devenu une bête sauvage. Ah oui, le péché. Le péché fait des hommes des véritables animaux. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 12. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. 2 Pierre 2, 12, regardez bien. Mais eux, semblables à des bêtes... Dépourvus de raison ou sans intelligence. Oh, c'est terrible, hein? Qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prisés, et détruites. Des bêtes. Là oui Des bêtes sans intelligence. Dépourvues de raison. Des brutes. Des véritables brutes. Et qui sont ces gens-là Mais Paul, Pierre décrit en fait les faux prophètes, les faux euh, apôtres, les, les faux frères, voilà. Et bien, bien sûr aussi les gens de ce monde, des bêtes sans raison. Vous avez des bêtes qui ont une raison que Dieu leur a donnée, c'est-à-dire les chrétiens, les, les brebis, voilà, les, les agneaux, les, les colombes. Et vous avez d'autres bêtes, donc des animaux sauvages, qui sont sans raison parce que c'est Dieu qui nous donne ces raisons-là. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Eh bien, ces, ces bêtes sauvages elles, ne l'ont pas mais elles sont dans nos assemblées. Elles dirigent nos pays, hein, comme Hérode, un renard, comme les pharisiens, les chefs religieux, des véritables serpents. Voilà. Jacques nous parle de la sagesse animale. Vous voyez Animal. Bah oui, c'est la, la même chose. Animal, la sagesse animale. Voilà, que beaucoup ont. diabolique. Vous voyez C'est terrible. c'est terrible mes amis. Et les écritures nous disent que la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. <laughs> c'est pas moi qui le dis. Ça nous amène à l'humilité. À l'humilité. Seigneur. Jude nous parle des hommes Sensuels ou des hommes, animaux, n'ayant pas l'esprit. Jude 1, 19, par exemple. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu sont des bêtes sauvages. Et ceux qui ont l'esprit de Dieu sont des bêtes euh, euh, dociles, des agneaux, des brebis. Jude 1,19, Jude dit Ce sont ceux qui se séparent eux-mêmes des gens. Hein, des hommes animaux n'ayant pas l'esprit. Des hommes animaux n'ayant pas l'esprit. Donc c'est ça la différence entre les animaux sauvages et les animaux transformés, dociles, euh, qui sont les, les chrétiens véritables. C'est-à-dire les chrétiens, en plus de leur âme et de leur esprit, ils ont les, reçu l'esprit de Dieu qui leur donne maintenant, au niveau de leur âme, de leur côté bestial là, d'avoir les fruits de l'esprit. L'amour. La paix, la joie, le contrôle de soi. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux hommes, hein, a proposé aux hommes le contrôle de soi Ben oui, parce que la bête que nous sommes, que tu es, hein, a besoin d'être contrôlée. Paul dit il faut posséder son corps dans la sainteté. Ben oui. Parce que si tu n'as pas le contrôle sur ton regard, si tu n'as pas le contrôle sur tes mains, tu vas te masturber tout le temps, excusez-moi. Si tu n'as pas le contrôle sur si ton regard, tu vas avoir des films pornographiques. Si tu n'as pas le contrôle si tu sur tes pensées, tu vas te laisser aller dans les pensées impures. Donc il te faut maintenant cette grâce de l'esprit qui te permet de te contrôler, de contrôler tous les jours ta bestialité. Waouh Seigneur, parce que dans le côté bestialité là, il y a l'orgueil, ça peut te tuer, ça peut me tuer. Il y a la gloutonnerie, ça peut te tuer. Il y a la colère, ça peut te tuer. La jalousie, la haine, le racisme, la convoitise, l'impunicité, voyez, le mensonge, la violence. L'égoïsme, tout ça. Le fait de vouloir s'habiller sexy pour séduire les autres, te maquiller à outrance. Tout ça. La bête qui est là va te pousser à ces choses-là. Et pour détruire les autres. C'est pour cela que le Seigneur a dit, les fruits de l'esprit qui sont au niveau de l'âme. De l'âme, l'âme, on a vu, l'âme, n'est-ce pas, c'est le psyché. Un hein, psyché, c'est l'âme. Hein c'est la racine de... Sushitos, la vie animale, il te faut ce don de maîtrise de soi. Tous les jours, en lisant la parole, en priant, tu vas pouvoir euh, contrôler, grâce au Saint-Esprit, ton, ton corps, contrôler cette, cette bête qui est là. là. Ce n'est pas un démon. Ça, c'est la, 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 le vieil homme. Tu vois Voilà. Qui pousse, qui nous pousse à être des hommes charnels, des chrétiens charnels, comme les, les, les Corinthiens. Toi, la bête là, l'homme animal, veut que tu sois l'homme charnel en même temps. C'est-à-dire qui est conduit par la chair. Le matu vu. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Vous n'avez pas vu quand il a des dé délivrances Regardez bien. Quels sont les esprits qui se manifestent là Chien, hein serpent, tout ça. Plein d'animaux. Et les démons. C'est souvent comme ça. Regardez bien l'image que, que les Écritures nous montrent sur les démons. Des animaux. Voyez Dans les nations, les gens adorent quoi Les animaux. Le Seigneur dit quoi Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont adoré Un veau d'or. Voyez Ah Un veau Ils vont adorer les aigles Voyez Des animaux. Qu'est-ce que Paul dit ils ont préféré adorer la créature au lieu du créateur qui est béni. Vous voyez Du quadrupède, quadru quadru tout ça, toutes sortes d'animaux. C'est toujours ça. Des, des, des chauves-souris. Vous voyez C'est terrible. Hein Le dieu Dagon, c'était un dieu serpent. Vous voyez C'est ça. Les animaux, à chaque fois. Vous voyez les divinités hindoues, tout ça là, indiennes, des animaux. En Afrique, souvent les animaux. En Europe, ici, les animaux, toujours. Donc le comportement des gens, quelqu'un qui s'emporte toujours, toujours, facilement, et quand il se met en colère, il casse tout, et c'est la violence comme pas possible. Mais là, vous avez un esprit guerrier, là, ça c'est, vous voyez, comme un lion, là, oh, comme, un, comme un léopard, c'est des animaux, là, des félins, là. Quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, là, tout ça, là, serpent, vous voyez. La ruse. Donc c'est comme des chats. Vous voyez Vous avez des sorciers qui se transforment en chats, en hibou, vous voyez En serpent, en croco, tout ça là. Des animaux. C'est pour ça que quand quelqu'un quelqu quelqu est saisi, quand il y a un démon en lui, ben vous voyez la violence, ça jute, ça, ça, comme un animal, il a un comportement. et eh bien, ça, c'est son comportement dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui sont comme des. Tu vois, l'animal là, qui est, qui est le pan là, tu vois, comme un pan là, tout ça, ça. Hypocrisie. Vous voyez, le bas tu veux, il faut qu'on me voit, moi, vous voyez. Voilà, je suis maquillé, regardez-moi tout ça, c'est moi ou les bishops qui sont sur Facebook, ce sont des animaux. Tu vois C'est terrible. Tout est sur les apparences. C'est ça, le comportement des hommes. Alors Dieu nous permet de voir ça. On dit, Oula, ce comportement-là, là, là, là. là, là. Ça c'est le côté adamique, le côté notre côté humain, la bestialité. Et chacun doit savoir qui il est, ses faiblesses, pour ne pas tomber, pour prendre des mesures. Voilà. Une question Oui, frère. Euh, juste euh, par rapport au fait que quand Paul, il dit euh, que quand on est de nouveau, en fait, il dit, non, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, vers, euh, chapitre 5, verset 17, choses anciennes sont passées. Voilà, et qu'on devient une nouvelle créature. Euh... Quelqu'un qui est né de nouveau, né d'en haut, ne, ne va pas pécher volontairement. Ouais. Tu vois mmh. Les choses anciennes, bien sûr, le comportement oui, oui. qu'il avait avant, c'est fini. Ouais. Mais Par contre, le vieil homme est toujours là, la bête là, l'homme animal. Okay. L'homme animal est crucifié à la croix, comme fait, euh, euh, romain 6-6 le dit, mmh. le vieil homme. Mmh. Maintenant, c'est pour ça que le Seigneur disait que celui qui veut me suivre doit euh, se charger de sa propre croix tous les jours. Mmh. Donc c'est tous les jours qu'il faut être avec le Seigneur pour que le vieil homme soit toujours crucifié. Plus tu t'éloignes du Seigneur, plus le vieil homme mmh. se okay. réveille. D'accord, donc c'est pour ça que Paul il dit euh, qu'il euh, euh, mortifie son corps de peur. 1 Corinthiens hein, il dit ben, ouais. Je mortifie mon corps. Après ça, pour ne pas être désapprouvé, après Zappo. Zappo. bien Prouvé. sûr, oui. parce que Paul se connaissait. Paul, il avait un problème. Le, 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 la bête que Paul était sur le plan charnel, bien sûr. On ne parle pas des démons ici, on parle de l'homme, le, le corps humain qui est faible. Hein? Donc euh, le côté animal de l'homme. Paul, son côté animal, c'était l'orgueil. Il pouvait facilement gonfler, enfler. Alors pour ne pas enfler, eh bien, Paul était beaucoup persécuté. Paul avait un démon à côté, pour le frapper tout le temps, selon 2 Corinthiens 12, pour qu'il ne pas pas qu'il enfle à cause des révélations qu'il recevait. C'est pour cela que nous sommes persécutés comme ça. Parce que plus un chrétien est persécuté à cause de la vérité, de la parole, plus il va rester humble. Dieu permet cela. Sans la persécution, l'Église va se paganiser. C'est chaud. C'est vrai qu'autant d'épreuves en tant que chrétien, une fois qu'on est chrétien, on devient chrétien, ben on a autant de persécutions, tout ça, parce que ce côté-là là, doit être toujours géré, crucifié. On est des brebis, mais des brebis euh, sur le plan spirituel. Sur, sur le plan spirituel, nous avons, au niveau de notre âme, reçu le caractère de Christ. Mais on grandit dans ça. Mais la bête, la, la chair est toujours là. Tu vois? Et Paul dit justement, il y, une, il y a une lutte dans Ephésiens 5. Il dit, la, la, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés. C'est pour ça qu'on a cette lutte-là en nous. Ce, ce ne sont pas des démons, c'est notre chair. Tu vois? Dieu te dit de jeûner, tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu jeûnes, mais ta chair te dit qu'il faut que tu manges. Tu manges à chaque fois. Tu sens qu'il faut, qu faut aller prier. Tu te réveilles à 3 heures, tu n'as pas de sommeil, tu n'as plus de sommeil. Tu sens qu'il faut aller prier. Et, euh, ta chair te dit, je, je suis fatigué commence à peine de lire la Bible tu t'endors si tu es fatigué oui mais la chair ne veut pas de ça tu vois c'est ça j'avais une question en fait par rapport à l'enseignement de ce soir il euh, y a une femme qui voulait se rassasier des maîtres des miettes, en fait euh, du maître est ce que c'est un rapport en fait parce qu'on euh, l'appelait petit chien euh, je ne sais plus Très bien le passage. Non, ça n'a rien à voir. Avec ça, euh, la le femme sérophénicienne qui voulait que sa fille soit guérie, c'est ça Oui, voilà. Non, voilà. non. Le fait, c'est pas son côté, le, le petit chien, parce que c'est elle-même qui dit que c'est un petit chien. Ok, non, ça, dans ce sens-là, les chiens, oui, les chiens, les chiens, les corbeaux et tout ça étaient considérés comme des nations. Les nations étaient considérées comme, pardon, les chiens, les, les animaux sauvages. Mmh. Voilà. Okay. Et à Israël comme, des, comme les brebis, parce que Dieu était leur berger. Yahweh est mon berger, tu vois Voilà. Donc euh, oui, dans ce sens-là, oui. Merci. Donc imaginez, maintenant vous avez des comportements de chiens, effectivement. C'est-à-dire dans à ce qu'ils ont vomi. On a vu des gens qui avaient reçu le message de retour à la parole, la sanctification, la crainte de Dieu. Ils hein, dénoncer la dîme, mais comme ce sont des animaux, ils ne peuvent que retourner à leur état initial. Ben, ils sont repartis à leur vomi, ce sont des animaux. Et d'ailleurs, le Seigneur Paul, Pierre le dit, le chien est retourné à... À son vomi, à ce qu'il a vomi, et la truie se vautrait dans le bourbier. Donc, vous avez des cochons dans les églises. Des cochons Lisons la parole, <laughs> ah, C'est une très bonne question, vous voyez. Hein? Qui n'avait jamais vu les choses comme ça Bah ben ouais, moi, moi, non, moi non plus, hein, honnêtement. Hein? Alors, 2 Pierre, chapitre 2, mes amis. Regardez bien la parole ici, là. C'est fort ce que Paul a, Pierre a enseigné, hein, ce que Dieu lui a montré. Regardez bien. Verset 20. Et euh, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable leur est arrivé. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie, ou la, le porc, lavé, et retourné à retourner se vautrer dans le bourbier. Voilà. Donc vous avez des porcs. Donc c'est simple. Vous voyez un chrétien qui retourne à son vomi, un prédicateur, c'est un porc pour Dieu. Et le porc était l'animal le plus répugnant chez les juifs. Donc c'est un porc et ces deux animaux-là, porc et le chien. Les chiens étaient considérés comme des... Le Seigneur disait qu'il ne fallait pas amener la, le salaire d'un chien, la prostitution. C'est la fornication. Toute forme de fornication. Le rapport, ce soit illégitime. voyez Les chiens. Donc, vous avez des prédicateurs sur YouTube, il y en a plein, ce sont des chiens. Quand vous écoutez leur message, ben c'est comme s'ils vomissaient sur vous. Et Pierre dit... C'est des, des vagues hein, qui écument sur vous, qui vomissent sur vous. C'est pour cela que je ne veux pas tendre mon oreille à écouter n'importe quel enseignement. Je préfère lire la parole de Dieu. Voilà. C'est terrible. Donc ce sont des chiens, des porcs qui vous enseignent. Les vrais enfants du Seigneur, il y en a très peu sur Internet, dans les églises. Alors si c'est pour aller, il y a beaucoup de chrétiens, si Dieu vous montre leur état, vous allez voir euh, du, du, du vomi qui dégouline sur eux comme ça. Là. Bah oui! Ils sont lourds, ils, ils n'avancent pas, il n'y a rien. Mais parce qu'ils mangent n'importe quoi. N'importe quoi, ils sont mélangés, ils sont, ils ils sont retournés à leur vomi. Dieu voit parmi les hommes des chiens, il voit des porcs, il voit des serpents, il voit des macaques, il voit des de, de, de lions, il voit des loups, il voit de tout. Voilà. Et les églises, c'est cela. Maintenant, il faut savoir qui est qui. Vous voulez vous marier Pareil, priez que Dieu vous montre l'état spirituel de l'homme ou la femme que vous voulez épouser. Il ne faut pas s'engager comme ça parce que votre chair. Votre côté animal euh, euh, vous, vous pousse vers la personne. Il faut contrôler ce côté-là, dans la prière, dans, avec la parole, et demander au Seigneur de vous aider. Parce que si vous épousez une femme qui est sensuelle, qui est, qui est de la séduction, qui est, qui est faible sexuellement, là, vous allez avoir des problèmes. Hein. Voilà. Les gens ne sont même pas fiancés, ne sont même pas mariés, qui sont déjà tactiles, qui sont déjà toutes sortes de choses dans l'hypocrisie, se cache Bisous, bisous. Dieu vous voit. Vous, vous êtes en train de. voyez, Il y a un problème il faut, faut veiller. Contrôler ce côté animal, là, frère, c'est très important. Ce côté animal, là, si vous ne le contrôlez pas, il peut vous faire faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et vous allez vous dire, mais comment j'ai pu faire ça, moi? Et tomber comme ça là, si bas. Bah ben, ouais. Parce que tu as sous estimé ce côté là. C'est pour cela qu'il faut en être conscient et crier au Seigneur de nous aider et contrôler avec la prière, dans la prière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir parce que tu es celui qui est venu nous sauver. Les Écritures nous disent qui sommes nous, Seigneur, qui est l'homme. Pour que toi, Yahweh, tu te souviennes de lui. Seigneur, nous sommes faibles. Nous avons beaucoup de faiblesses. Nous voulons être tes brebis, les brebis qui entendent ta voix et qui ne suivent pas des mercenaires. Nous voulons être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui se sanctifient. Aide-nous à nous sanctifier, Seigneur, mon Dieu. Mon Père, Seigneur, guéris-nous, délivre-nous. Nous voulons être, Seigneur, tes brebis. Nous voulons être, mon Dieu, Père, des colombes, Seigneur, qui sont envoyées ici et là. Nous ne voulons pas être des corbeaux, nous ne voulons pas être des serpents. Nous voulons être, mon Dieu, Père, alléluia, des hommes et des femmes célestes, des hommes spirituels qui ont reçu de toi la force, Seigneur, pour contrôler leur côté, leur penchant, n'est-ce pas, charnel, Seigneur mon Dieu, nous voulons contrôler ce côté-là, nous voulons avoir le dessus, nous voulons dire non hein, à ces pulsions charnelles, sexuelles, ces pulsions, mon Dieu Père, Alléluia, financières, nous voulons, Seigneur, avoir des freins, des freins, Seigneur mon Dieu, pour ne pas aller au-delà de ce que tu... Euh, 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 nous donne, Seigneur mon Dieu ne pas aller au-delà de ta parole Seigneur mon Dieu ne pas prendre Seigneur mon Dieu Père à des décisions qui peuvent nous détruire demain nous voulons être des hommes et des femmes spirituels Seigneur que ton esprit nous aide que ton esprit nous, nous guérisse Seigneur mon Dieu que ton nom Seigneur mon Dieu nous libère Alléluia de l'égoïsme Seigneur mon Dieu de, Seigneur mon Dieu Père de tout ce qui n'est pas de toi, de toutes ces choses mauvaises charnelles, nous prions ce soir mon Dieu que les, Seigneur, tous les démons qui combattent tes enfants soient chassés au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Alléluia. Nous brisons, nous chassons toutes les. Nous brisons toutes les chaînes. Et nous confessons ta Seigneurie ce soir. Nous chassons les démons de l'enfer. Nous chassons les maris et les femmes de nuit. Nous chassons les serpents. Nous chassons les esprits de colère. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La puissance de la mort est brisée ce soir encore dans nos vies. Oh Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur, guéris nous, mon Dieu. Au nom de Yeshua, notre maître, notre sauveur, notre roi, nous confessons ta Seigneurie, nous confessons ton nom, nous confessons ta divinité, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul véritable Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu sauver des hommes et des femmes qui avaient des caractères, Seigneur mon Dieu, acariâtre, des caractères irascibles, de caractère dur. Tu es venu nous briser, nous sauver, nous libérer, nous guérir, nous soigner, nous. Alléluia. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous prenons autorité maintenant. Alléluia. Oh, alléluia. Prends autorité. Sous ce côté-là que tu as là. Alléluia. Cette colère familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous renversons la puissance de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, mon Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, que ma chair soit soumise à ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Sauve ton peuple, Seigneur mon Dieu. Ce côté rebelle que tu as, brise ce côté-là dans la prière. Demande au Seigneur de t'aider pour le briser. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Père, sois béni, sois glorifié, sois élevé en ce lieu. Au nom de Yeshua. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Alléluia, 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 gloire à Dieu. Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est glorieuse. Oh mon Dieu, chaud. Gloire hum. à Jésus. Merci, Seigneur, en Amen. Voilà. On se retrouve demain. Que Dieu soit béni.